Mesdames et messieurs, dans le moment où on a parlé à la bataille lui-même, il continue à manger sous Matissan, côté la police nationale d'Haïti, décide de mener diverses opérations afin pour capable contre Karezak banditis qui pas suspend, fait la pluie et le beau temps dans le pays d'Haïti. Et Matissan, c'est une zone nous connaît qui est vraiment importante pour le pays d'Haïti puisque c'est rentré sud capitale là, ça qui veut dire économie pays d'Haïti, gagne gros coup la prend tout autant Matissan lui-même li encombré et ça qui gagne ah ouais avec politique là c'est pas parler parce que Matissan lui-même ensemble avec Environio vraiment gagne une grande importance dans la question électorale en dans pays là ensemble Infoberto pral expliquer nous qui stratégie exactement qu'a utiliser dans moment là pour capable gérer situation dans Matissan Infoberto parle avec nous qui ça qui a passé exactement qui ça qui a réglé et qui ça d'après ou même qui t'a supposé faire pour capable gérer la situation sous Matissan. Effectivement, il y a un pile stratégique à développer. Mais ça que okay. M'a dit nous honnêtement, c'est que la bataille là pour l'autre dimension. Ok, parle avec nous. Ça qu'a gagné peut-être, nous capable dit, 2 à 3 semaines de cela, Digicel est capable peu faire ça. Natcom est capable peu faire ça. Même Jean-Tour n'a demandé Digicel pour le couper. Communication à des gravines. Ok. Aussi simple que ça. N'a pas de digicel pour couper communication à des gravines. N'a pas de digicel pour couper communication à des gravines. Pour que pièce téléphone pas fonctionner à des gravines. Bourade pired. Parce que bourade n'a pas de pays, on nous baille pays à bourade là. Digicel n'a comme nous demander pour couper communication. En dedans ville al ville alors ou fin couper village de Dieu n'a pas pour couper li en dedans grand ravine c'est très très intéressant pas gen instant ça si c'est coupe men en bas on ba coupe à tous les niveaux exactement Digicel Natcom nous dit bravo selon l'information que Esaü César bail de émission matin débat communication couper village de Dieu n'a pas pour couper le grand ravine pour nous tout. Parce que les policiers ont moins de travail pour faire. La communication n'est pas facile même. C'est parce que les policiers sont capables de faciliter pour communiquer avec les maîtres, les patrons, qui causent à l'aise comme ça. Ça qui est important, quand ils ont quitté le village de Dieu, la cache grand vin, pas de porte de sortie. La police a déniché les bandits. C'est quelque chose à côté. Et on a demandé moun ka fou fey. Moun ka fou fey. Moun savant pistache. Mes amis, filez manchette là pour nous, filez manchette là, l'important. Filez. Nous prenons besoin de manchette là, nous jouons pas le vinyo. Nous pas prêts trop de temps, non? Manchette là, plus utile. Parce que, bandit grand vinyo, pas de cachette pour yo. Yo pas le courir à gauche à droite, après comme un fou. Ça veut dire que manchette ou on l'a important. Le la police pote bourrea, manchette ou important. En pile. Manchette ou important. Filez manchette nous mettre là. Moun toujours débici, Paco. Canapé vert, moi mets-nous en pile. Préparez-nous. Parce que, effectivement, il y a des bagages qui peuvent le faire dans le pays. Parce qu'il y a des bagages qui méritent de faire. Préparez-nous. Je rappelle nous que Berto, c'est un homme qui a commencé ensemble avec question. 3 millions haïtiens, 3 millions manchettes, parce que selon lui-même, grande façon pour nous être capable de camper en face bandit, ça c'est utiliser propres armes que nous produisons dans la caille, qui c'est manchette, qui c'est manchette couline, qui c'est couteau, qui c'est. En fait, qui c'est tout ça nous capable d'utiliser, qui est ah ouais, ensemble avec ça qui pas âme. L'aime dit nous qui pas zam nan, qui pas arme à feu. Donc nous capable utiliser yo parce que c'est quotidien nous que yo y whoopi quoi. Tout ça nous capable utiliser pour nous déchapper bandi, c'est déchapper bandi. Non, c'est pas une incitation à la violence encore une fois parce que bandi yo même yo pi violent parce que nous toujours. Et non, qui va qui va le fait, qui va qui mérite fait. Vous comprenez moun pa ko debisi. Tout moun qui dans zone troisième nan, deuxième nan, est-ce que vous comprenez? Mobiliser, moun qui trouve yo, poste machin, et la lu, boudon, mes amis, moun kri soi, c'est moment pour que nous file manchette nous, pour nous pas jamais gang belè vin attaquer nous encore. C'est moment pour nous pour te bourrer, pour nous pas jamais gang belè pour te bourrer encore.
moun Delma 2, Delma 4, Delma 6. Si nous pas dans gang, c'est moment pour nous filer manchette nous, pour nous porter bourré. Parce que situation li compliquée. Faut que nous fassions bagaille, Haïti mérite délivrer. Et je dis, hein, policiers déterminés. Ils ont décidé pour mettre dans la patte là pour tout bon, pour que vous libérez le pays ça. Et ça que m'a demandé tout Haïtien, porter contribution parole dans le niveau qu'on est capable, parce qu'on vit Haïti. Mm-hmm. Ou à l'extérieur du pays. C'est. Alors, émission ça va regarder, ou capable de contribuer. Contribuer dans quelle façon? Prends émission ça. Partagez-la avec un ami qui n'a compte à WhatsApp. Partagez-la avec 5 amis qui n'a compte à WhatsApp. Partagez-la sur le groupe WhatsApp Facebook. Laissez-la contribuer dans l'opération Bois Calé. Parce que pas oublier, niveau motivation gagné, niveau détermination gagné, beaucoup de peuple haïtien, c'est l'émission qui a gardé là. Les médias en ligne, qui fait que le peuple a motivé comme ça. Si c'était pour les médias traditionnels, on n'a jamais vu ça. Parce que j'ai des émissions, ça, on n'a jamais fait le gang pour eux. Ils vivent avec le gang, le patron, c'est mettre gang. Si nous crassons le gang, le patron n'est pas capable de produire un rapport encore. Patron n'est pas capable de jouer pour l'argent pour tuer le président encore, pour déstabiliser le pays encore. Qui côté? Si pas de gang dans le pays encore, j'espère que c'est capable de rentrer. Le ça, il y a l'autre monde qui vient investir dans le pays. Pas de élite économique encore. Pas de groupe qui avec ça, qui est capable de l'État. Pas de ça encore. Exactement. Exactement. Si il y a sécurité dans le pays, pour qui ça, il est obligé de faire ça, ou même de faire des bagages, il pourra le faire. Si vous quittez gang, suspend ferraille dans le pays, qui compte l'argent à fait pour vous? Pendant après te cop dans business, faut que capable rentrer dans kidnapping. Faut que capable projeter on la pérez sous de peuple là. Gangue bon pour yo. Insécurité a bon pour yo, kidnapping nan bon pour yo. Et puis y a une stabilité politique, tout ça rentrer. Exactement. Mais ça projet la République dominicaine qui pour Haïti, il pas passe encore. Juste faut que nous connais, ça qui passe en Haïti, il bénéfique pour la République dominicaine. Parce que majorité crème pays débarque dominicani. Et puis c'est touristes haïtiens qui débarquent en Dominicanie. C'est un pile l'argent qui a rentré dans le secteur touristique là, en Dominicanie. C'est un pile l'argent qui a rentré dans le secteur immobilier en Dominicanie. Parce que c'est un pile haïtien qui vient à faire mes cas en Dominicanie. Sorti 2020 pour arriver 2023, nous est là. Il est bon pour Dominicain, mais si Haïti est bon. Ou t'as besoin, on sait que Haïti qui vient dans la diaspora qui est un cob, il est débarqué la plaine du Nord, il est débarqué dans le Sud-Est pour 50 carreaux de terre. Et puis ils sont à tout au fond projet. En pile belle caille. Et puis, s'entendait à tout chaque haïtien, vient acheter caille. Vient acheter caille, et puis, il y a des banques dans le pays qui peuvent organiser, financer ça pour nous. Mais en Haïti, pas bien ça. C'est Edouard Boussan qui est banque. C'est Sheriff Abdallah qui est banque. Banque kidnapper ça, yo. Banque gang ça, yo. Soje banque, une banque. Deux banques volent. Deux banques qui crasent le pays. Moi-même, souhaite que les haïtiens qui sont dans la diaspora mobilisés, parce que le pays, ça prend une possibilité pour que nous ayons une banque pas nous. Pour nous venir faire propre investissement pas nous. Pour que le pays soit capable de décoller, justement, pour que le soutien bas griffe. Coalition gang sa yo, qui soit disant les dettes yo, Soje Bank, Uni Bank, bon volo, bon kidnapper, bon assassin. Mais espérons que nous comprenons les Haïtiens. Par contre, c'est ma sounette. Mais sauf que joue ça, peut-être pas qu'à faire trop clair. Joue au président, mais c'est comme si m'a dit, c'est comme si m'a dit, c'est ta anniversaire. Par exemple, après tout le monde net, tout les amis, toute colonne, quand m'a dit, on nous prend plaisir. Parce que nous prenons rate toujours. Nous prenons cancer. Et au prend ISO, et puis moi, policier, chaviré. Roup. Je tombe dans mon grand vide. Mes amis, n'attendez ça. N'attendez ça, vous comprenez? Et nous besoin ça. Parce que faut que nous arrivions là. C'est très intéressant. Faut que nous arrivions là. Une situation compliquée, pays n'a pas arrêté comme ça. Elle n'a pas arrêté comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour un petit groupe criminel décider de détruire un pays comme ça. Impossible. Voilà. Peuple haïtien, m'a pas invité nous. Tendez. Si audio ça. Ensemble avec un pile intérêt. Ok. Tendez ça avec un pile intérêt. Mm-hmm. Pour nous venir comprendre le phénomène gang. Dollar américain, dans deux, trois jours là, qui commence à descendre, il faut que nous comprenions. L'argent américain, raison qui cause la descente, c'est parce que nous avons kidnapping. Et nous avons un spécialiste qui va expliquer là, qui va aider nous comprendre ça. Je vais inviter nous tendre ensemble avec et puis pour nous démarrer pour la deuxième partie de l'émission en d'emblée. Avec un pile intérêt, tant pour souple, peuple haïtien, pendant que vous partagez, et puis nous like l'émission à tout nom. Nous like, montrez le niveau d'appréciation. Oh, chaque nous like. Nous like l'émission à tout nom. Nous avons un accolade. Chargé, oui. Nous like l'émission. Nous allons parler là, nous allons parler là, il est important en pile. Et m'inviter tout le monde
qui la caillou, qui a téléphone, non, mais qui a calculatrice, qui a belle dame, pas nous pas le faire. Et un petit contrôle, un petit calcul pour nous montrer qui ça, kidnapping, non, facture kidnapping, non, trois dernières années, qui ça lié. Et nous pas le faire relation entre criminalité économique avec crime organisé, parce que il y a une grosse relation entre crime, entre kidnapping et économie et finance, je l'ai fait dans le pays. Ok. Ok. Monsieur Alexis, c'est constat pour tout. Je dis à la, à partir du mouvement Boakale qui était initié dans le pays, à partir de quelques interventions la police fait, notamment dans le niveau bicentenaire, nous remarquons qu'il y a une baisse dans le cas d'enlèvement, cas de kidnapping dans le pays. C'est également constat pour tout. Oui, c'est constat pour moi. C'est flagrant parce que tu as une liquidation que tu as dans le kidnapping. Non? Et plusieurs bandes, plusieurs groupes bandits aller dans n'importe zone, lever n'importe monde, n'importe le, n'importe gens. Et puis, les vignerités et pour Baïkob, ils ont l'argent qui boissait. Ça veut dire que constat ça, depuis après mouvement spontané qui est les bois calés, qui vient récupérer qu'on y a, ça vient faire que, peut a changé quand. Ça veut dire que tout bandit dans l'insécurité qu'on y a, il n'y a pas qu'à la guerre. Genre qu'on la guerre, liquidation, il faut grimper. Il faut grimper et yo même là, il est obligé de poser pour appuyer pour qu'il ait au cabaye prochain coup. La paix. M'ba finir, mais elle nous dit bandit en insécurité. Je rappelle de dire phrase ça en l'air, mais en y réfléchissant, si on dit que bandi yo kounya la nan insécurité, c'est comme si nous soutenir parti moun qui a dit que mouvement bois calé c'est mouvement moun qui bossal, c'est mouvement moun qui sauvage. Donc ça veut dire yo créé yon insécurité en dan pays. On dit nan moment n'a parlé à la vraie, peur la li même li changer de camp. On dit comme ça que moun sa yo qui t'a créé insécurité a commencé comprendre et réaliser qui ça insécurité vient dit tout bon vrai parce que population haïtienne n'a décidé mettre yo en face réalité yo. OK? Mais en insécurité a il red changer de camp. Ça veut dire que pression qui t'a gagné pour chercher l'argent pour payer bandi, il n'a pas existé ou il presque disparaît. Exactement. Et si nous avons des kidnappings, dans un premier temps, nous avons dit kidnapping, ça a été un phénomène. Okay. Si nous avons analysé le comme ça, c'est un phénomène. Et un phénomène pour auditoire Radio Caraïbe, c'est un bagage qui est passager, c'est un bagage qui est temporaire. Mais avec faiblesse l'État, avec passivité l'État, les vignes qui te phénomènes, les vignes ont activité. Yon activité, c'est organisation, son bagay qui durable, son bagay qui permanent. En Haïti, dans l'histoire du pays d'Haïti, bandit, de vous déclarer tête ou bandit, vous pas gagner une durée de vie qui allait plus que de 3 à 12 mois. N'a pas gardé Grinson, n'a pas gardé Labagne, n'a pas gardé Evensi Couteau, de vous déclarer tête ou bandit, durée de vie ou pas longue. Mais nous-mêmes en Haïti, nous avons des bandits, des groupes bandits, des bandes organisées qui, eux-mêmes, ont 3 ans là. Ça veut dire que si vous avez 3 ans, vous complicité quelque part. Parce que l'État doit jouer au rôle, société civile, élite, secteur privé doit jouer au rôle. Et même université qui a un rôle de recherche qui pour proposer des solutions. Si l'université a déjà joué le tout, activité bandit, activité bandit, activité kidnapping, tu as bien problème, ça t'a posé, tu as bien analyse, tu as bien résolution. Ce n'est pas acheter Chablende, ce n'est pas un bail moto, 18 motos, qui va résoudre le problème, ça que nous vient là-dedans. Là. Et bien, 18 professeurs, c'est 17 motos, vous comprenez? Bay matérialité qu'on fait pour blague. Bay nan blague, oui, matérialité qu'on fait zou, bay mission moto pour moi. Pays ça qui te kon ap distribuer moto. Ah. Koun ya jodi la, yo bay yo moto comme aide, yo bay yo moto comme technique, comme moyen pour capable combattre insécurité. Pays ça qui te kon a fait cadeau moto. Ah. Oui, maman. Et puis on fait grosse cérémonie. Grosse cérémonie pour être capable de remettre 17 motos à la côté que causez papa. Parce que
question et là dans là question activité ça là dans là qui sont business kidnapping toute entité t'abrasser ensemble pour bailler résultat. Or, il y a monde qui a touché pour ça. Par exemple, sûreté, sécurité, renseignement, intelligence. Tout secteur ça yo, toute entité ça yo t'es doué camper ensemble pour éviter nos pattes là. Okay. Et rapport qui gagne entre criminalité économique là, et crime organisé, hein? C'est un bagage qui là depuis 19e siècle, depuis dans l'école socialiste allemande. Okay. OK. Karl Marx t'a parlé de ça en pile. Il dit moun qui gagne l'argent, moun qui possédait toujours fait alliance à bandit pour tout pays peuple. Et dans même perspective ça, il y a un Hollandais qui est William Berger en 1905, dans l'étude qu'elle fait, il déterminait que des pouvoirs, un pays gagné en délinquance, un banditisme qui durait en pile, qui brasse la dalle, il n'y a pas jamais dit rien, qu'on ait un mariage l'État, secteur privé, derrière. Exactement. Et monsieur démontre dans l'étude qu'elle fait sur criminalité et conditions économiques, il montre que conditions peuple, conditions moun yo pas jamais changé, il y a quitté au la misère, il y a quitté au pas jamais avancé, et puis un groupe n'est qui pas qu'à faire résistance, il y a bas aux âmes, il y a pris l'argent, et puis il y a tout visé petit classe moyenne qui pas gagne cobla pour prendre l'argent en main. C'est ça qui fait que, on va parler de délinquance de cupidité, délinquance professionnelle, délinquance situationnelle. T'as bien, oui. Quand t'aimes l'arrivée, l'aime faire mise en contexte, ça. Je vais faire mise en contexte ça pour me dire que, je dis à la, todo là qui baisse, il y a plusieurs éléments qui font ça. Il y en a un premier élément, c'est que BAH, t'es commandé en 40 millions de dollars qui rentrent et qu'elle commence à alimenter le marché. Deuxième élément, pas gain investissement dans le pays, pas gain monde qui a mis de combattre, pas gain aucun nouveau enseigne dans le pays. Depuis quelque temps, pas aucun enseigne étranger, aucun enseigne local, pas aucun nouveau business. Ça veut dire que sur le plan macro, pas gon l'argent qui brasse vraiment. Ça veut dire que, et soit garder recettes douanières autour après diminuer par le fait que la douane, soit garder notre association patronale l'intérieur, pour dire que j'ai la douane à casser couille, il n'y a pas qu'à importer, importation diminuer. Ça veut dire que pression que tu as gagné pour chercher l'argent, pour chercher dollars sous marché, pour mettre dehors, pression ça diminuer. Vin trouver que activité kidnapping, liquidation que tu as gagné kidnapping, liquidation ça te fait que mon a cherché l'argent. Matin, midi, soir, pour payer paye facture kidnapping, yo. Pour payer rançon. Yo. Ça veut dire que comme Bois Calé, qui sont mouvement spontané, et mouvement ça, je dis à la, li diminué. Et rapport criminalité à l'économie, c'est deux bons amis. Yon pas marché qui était l'autre. Économie, non, toute action criminelle. Et toute instance pose des questions pour qui ça? Tel groupe bandit, y a tel comportement, réponse par l'autre bagaille, c'est l'argent. Mais il faut qu'on aille plus loin pour expliquer que c'est pauvreté, chômage, crise économique qui baille criminalité. Sur le plan micro, c'est chômage avec inégalité. Sur le plan macro, c'est mode opératoire et organisation réseau. Yo. Organisation réseau, yo, comment vous faites? Si vous regardez bien, vous toujours tendez que kidnapping à bord d'aille. Ça veut dire que chaque ça a un fonctionnement par eux. Il y a des gens qui planent ou planent. Mais en d'organisation, kidnapping, les gens qui sont là, ils sont pour venir vin les gens. Les potos en dedans, les gens qui sont là pour venir. Les gens qui sont là pour négocier, les gens qui sont là pour chercher l'argent. Et tout ça fait partie de l'organisation. Et il y a des gens qui sont là pour avoir des informations, ça relève tout terre. Et mélange en fait à toute catégorie de monde. Et toute catégorie de monde, ça a un payroll qui fait son base hebdomadaire, son base périodique pour eux. Et à partir de ça, ça dit l'argent a brassé. Pendant l'argent a brassé, même j'en signe déclaration de provenance de fonds lors de dépôt de l'argent. Si et seulement si, dans la question renseignement, dans la question sûreté, dans la question intelligence, je t'ai contrôlé rentrer et sortir l'argent. Même si c'est PO pour le PO rançon, il y a une question que tu as posée à partir de plainte, côté déposé, côté vous déposez le logo monde qui parle là.
effort pour diminuer le kidnapping. Et on a constaté le problème que nous arrivons là-dedans, dans la question du kidnapping, il n'est pas venu l'autre, il n'est pas venu l'autre gens, c'est après 2018. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes qui Jean. Situation lui-même liée. Donc, selon Infoberto, tu as supposé commencer à couper tout signal en de grand ravine pour empêcher gain contact entre ISO ensemble avec Tilapli. Et par la suite, nous te gain information sur ça qui gain à ouais avec un phénomène gang qui existait en de pays d'Haïti depuis quelques années qui a baillé paquet de problèmes et qui rapport que gang lui-même li gain avec économie et qui ça bois calé à lui-même lui permettre nous fait dans l'économie haïtienne. Et là, le bout dans la rubrique nous aujourd'hui, nous avons rendez-vous à 4 boules de l'après-midi pour une prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye.